Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour la dernière vidéo de l'année 2019. Et cette vidéo, je la fais ici, chez moi, à Troyes, dans la capitale historique de la Champagne. Je suis juste devant le stade de l'Aube. Aujourd'hui, on va aller voir le match entre l'Estac et l'AC Ajaccio. Un match qui va être assez particulier. Je vais faire une vidéo assez spéciale, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre. Je vais faire une surprise à mon père, avec qui je vais voir les matchs. J'allais voir les matchs quand j'étais petit. Aujourd'hui, c'est mon 196e match ici, dans ce stade de l'Aube. Le stade où j'ai grandi, le stade où j'ai vraiment pris mes premiers plaisirs footballistiques. Donc je vais aller lui faire la surprise. Aujourd'hui, je suis accrédité pour aller voir le match en tribune de presse, comme à l'habituel, comme on avait été voir les matchs contre Lens, notamment au mois d'août et au mois de mai. Mais aujourd'hui, je vais aller en tribune Marcel Vitou, donc la latérale qui est de l'autre côté de la tribune principale, pour rejoindre mon père, qui est abonné à cet endroit-là, pour lui faire la surprise. Donc c'est parti. Avant de démarrer cette vidéo, je vous invite à vous abonner. On approche des 20 000 abonnés. C'était mon objectif pour le 1er janvier. Il reste quelques jours pour l'atteindre. Vous y êtes presque. Donc abonnez-vous, ça prend quelques secondes. Mettez un pouce bleu sur la vidéo. Et puis on est parti pour ce match, le dernier de l'année 2019 sur la chaîne. Mais il y en aura d'autres. Donc abonnez-vous également sur le compte Instagram, parce que je vais partir faire de nouvelles aventures pendant les fêtes de Noël. Et ça sera à suivre sur Instagram avant que ça arrive sur YouTube. Donc c'est parti pour cette vidéo au stade de l'Aube pour le match entre l'Estac et l'AC Ajaccio. Un choc et un tournant en vue de la montée en Ligue 1 cette saison. Merci, bonne journée. Voilà, je suis au stade de l'Aube, je suis au bord de cette pelouse juste ici avant ce match. Je vous invite, avant de partir sur ce match, comme c'est le dernier match de l'année 2019, à me dire en commentaire trois stades que vous aimeriez voir en 2020 sur la chaîne YouTube. Je vous donnerai les miens en fin de vidéo pour vous dire les trois stades qui me donnent le plus envie d'aller voir. Là, je finis chez moi, donc ça tombe vraiment, vraiment bien avant de partir dans quelques jours à l'étranger pour vous tourner quelques reportages. Donc là, on va partir. Après, on va quitter cette zone de presse pour aller voir ce qui se passe autour du stade, notamment avec ce Noël en bleu et blanc qui est organisé ici à l'Estac depuis de nombreuses années, que j'ai grandi avec. Donc on va y aller. On va aller voir toutes les animations qui sont prévues ici. Ça y est, je suis monté dans la tribune de presse. Mon père, il est là-bas, juste derrière. Dans la tribune qui est là-bas au bout. On va traverser et on va y aller. C'est parti. Voilà, merci pour match. J'essaie de revenir après si tu peux. Et puis voilà. Okay. À tout à l'heure. Salut. A plus. J'ai quitté la zone de presse. Je suis du côté du grand public. L'Estac a organisé pas mal de choses pour la 16e édition de ce Noël en bleu et blanc. Aujourd'hui, pour ce match entre l'Estac et l'AC Ajaccio, l'Estac avait prévu pas mal de choses avec les distributions de bonnets bleus et blancs, également la venue de plusieurs personnages connus de Star Wars ou encore de la Reine des Neiges pour les enfants, pour les jeunes. Beaucoup, beaucoup d'animations. Il y aura un feu d'artifice également à la fin du match. Là, je vais être juste devant la tribune qui est là-haut, que je vais rejoindre pour rejoindre mon père. Donc, on va y aller en avant pour lui faire la surprise. Je vais accéder à la tribune qui est juste là-bas. Il faut savoir que j'ai pas vu de match avec mon père dans ce stade de l'Aube depuis le janvier, depuis début janvier 2007. Ça fait maintenant 2 ans, donc c'est très très important pour moi. Ça me tient vraiment à cœur de faire ça, de lui faire la surprise. Il est là-bas juste derrière moi dans quelques instants. Donc voilà, ça fait. J'ai été abonné pendant 6 ans ici. Depuis que je suis petit, je vais voir des matchs. Mon premier match ici dans ce stade, c'était le 12 avril 2003. J'avais 5 ans et demi. Et là, de revenir, d'y remettre les pieds dans les tribunes et d'aller avec mon père, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc, on cesse de discuter, on laisse les émotions de côté et c'est parti. Voilà, il est juste là-bas derrière. Je vais faire la surprise. Bonjour monsieur. Ah, c'est bon de mettre là. Je vais m'installer. Je vais m'asseoir. Aujourd'hui, je t'ai fait une surprise. Aujourd'hui, je t'ai fait la surprise d'aller voir le match ensemble. Et j'ai filmé ça. Et voilà. Pour Noël, c'est joyeux Noël, papa.
Voilà, ça y est, je suis installé ici au stade de l'Aube. J'ai mon père qui est là juste à côté de moi. Du coup, le match va commencer d'ici une vingtaine de minutes entre l'Estac et l'AC Ajaccio. C'est un match super important dans cette Dominos Ligue 2, sûrement un tournant en vue de l'accession en Ligue 1, puisque l'Estac, si l'Estac l'emporte, l'Estac finira cette première partie de saison à la deuxième place de ce championnat avec 38 points et mettra surtout son concurrent direct, le 5e, à 8 points. Donc c'est un match super important. Donc pendant ces fêtes de fin d'année, l'Estac a mis en place de nombreuses opérations, notamment une opération Super Blues qui a été mise en place avec l'hôpital de Troyes, qui a visé à offrir 50 blues brodés dans les maillots de l'Estac. C'est le premier club en France à faire cela. L'Estac qui s'engage énormément, qui a également mis en place une opération avec le Secours Populaire. Pendant tous les matchs du mois de décembre, l'Estac a porté sur son maillot le logo du Secours Populaire et a également récolté de nombreux cadeaux pour les enfants ici dans ce stade, qui ont été distribués hier avant le match. Ça fait penser également à l'opération que les Lensois ont fait, les Ultra Lensois, qui ont réuni plus de 1000 cadeaux pour offrir à des enfants. C'est vraiment des opérations super, super cool à mettre en avant. Le match va commencer dans quelques minutes, donc c'est parti pour ce match entre le Stack et la Serie Active. Voilà, on va faire un petit pronostic avant ce match. Moi je vois un 1-0, le Stack est spécialiste des 1-0. Et toi là-bas, 2-0 pour le Stack. 2-0 pour un buteur. Bédia. Bédia, Chris Bédia. Moi je pense un petit but de Kouyaté, il a l'habitude de marquer. Allez Stack. Ah ouais. Donc voilà les 22 acteurs de ce match, ils rentrent sur la pelouse de ce stade de l'Aube pour cette 19e journée de Dominos Ligue 2. Allez ! Merci. Donc voilà, c'est parti pour 90 minutes ici entre l'Estac qui est 3e du championnat et l'AC Ajaccio qui est 4e. Il y a vraiment un bon coup à faire après la défaite de Lorient 3-0 hier à Valenciennes. Donc c'est parti pour 90 minutes dans ce stade. Allez Bédia ! Première vraie grosse occasion dans ce match, c'est pour les stacks, pour le joueur que mon père a pronostiqué. C'est Chris Bédia qui vient de se procurer la première occasion. On joue la 26e minute de jeu ici et 0-0 entre les stacks et la CAJAX. Allez ! Le voilà le but ! Allez, 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 allez. Manqué. On a quelques minutes de la mi-temps, on n'est pas passé loin du but troyen, cafouillage dans la surface. Les Troyens qui ne parviennent pas à pousser ce ballon au fond, sont plus dangereux sur les coups de pied arrêtés. Il n'y a pas à dire parce que l'enjeu ça reste très très loin. Oh, c'était qui? C'était Chris Bédia. On vient d'assister à la plus grosse occasion dans ce match avec cette barre trouvée par Chris Bédia, très très actif sur les coups de pied arrêtés. Les stacks, c'est l'une de ses forces cette saison. Ça va être la mi-temps dans quelques secondes et toujours 0-0. Corner. Thank you.
à Delesta qui avait inscrit en début de semaine ce lundi au stade de Roudourou. Un but magnifique du point de vue qui partait en lucarne directement dans les buts de Guy Varche. Et il vient catapulter cette tête dans les cages de Leroy. 1-0 pour l'Estac à la mi-temps. La mi-temps qui vient d'être sifflée à l'instant. L'Estac qui est devant au score et qui est provisoirement à 38 points dans cette demi-finale 2 et 3ème après cette fin de première partie de saison. C'était la mi-temps ici au stade de l'Aube de Troyes, l'Estac qui mène 1-0 après cette superbe tête de Pouyaté. On est reparti pour la deuxième mi-temps ici au stade de l'Aube. Let's go. C'était son 103e tout à l'heure. 103e match. C'est parti dans ce choc du haut tableau en Dominos League 2, 1-0 ici au stade de l'Aube pour les locaux. Et c'était qui encore sur cette tête qui a pris le devant sur la défense d'Ajaccio? C'était encore Pouyaté qui a placé cette tête, mais bien arrêté par Leroy. Toujours 1-0 pour l'Aube. D'occasion dans ce match, on joue à 72e minute de jeu. Et là, c'est Bartalmé qui vient de mettre la contribution. Leroy, toujours 1-0 ici. Problème de son. Une nouvelle fois, donc je vous laisse la fin de ce match avec notamment ce rush de Maxime Barthelmé qui a été quasiment au bout d'une action magnifique. L'Estac qui menait 1-0 à ce moment du match et qui aurait pu faire le break avant cette égalisation de la part du joueur, l'ancien joueur du stade de Reims, Gaëtan Courtet, qui a magnifiquement repris cette passe déviation de la tête de Cyril Bayala pour fusiller Gauthier Gallon. À 10 minutes de la fin du match, l'Estac était dos au mur et venait de se faire égaliser avant ce corner tiré par Florian Tardieu. Kiki Kouyaté, ancien buteur dans ce match, qui déséquilibré dans la surface s'écroula. Monsieur l'arbitre désigna le point de pénalty. Et c'est Florian Tardieu, le numéro 10 de l'Estac, arrivé durant le mercato précédent, qui se chargeait de transformer ce pénalty pour donner la libération à ce stade de l'Aube qui attendait cela depuis de longues minutes et qui ne l'espérait plus après l'égalisation de Courtet. Ce pénalty frappé parfaitement par Tardieu qui allait donner la victoire à l'Estac avant les ultimes minutes. Et cet arrêt, cette parade magnifique du gardien arrivé d'Orléans durant le mercato, Gauthier Gallon, qui devant Gaëtan Courtet sauva la balle de match pour donner à l'Estac les 3 points de la victoire. Là, l'Estac qui l'a emporté 2-1 dans les ultimes minutes. Un match qui a été vraiment super animé jusqu'au bout. Ça a fait vraiment plaisir d'être ici et de pouvoir vivre ça. Là, il y a le feu d'artifice qui est en train de se mettre en place. C'est pour ça qu'il fait très sombre. Mais on va finir l'année 2019 comme ça. Et puis après, on ira au bord de la pelouse pour vous dire un petit ciao avant mon départ pour l'Angleterre. Parce que je vais aller en Angleterre dans les derniers jours de l'année pour vous faire de nouveaux reportages. Donc c'est parti pour le feu d'artifice pour conclure cette année 2019. On a fini ici ce match, c'était un plaisir de le vivre ici avec mon père avec qui j'ai grandi au stade. Je suis allé au stade de nombreuses fois, c'est la 196e fois au stade de l'Aube. On va aller au bord de la pelouse pour finir cette vidéo. On va sûrement aller voir aussi Loïc pour lui faire un petit bonjour. Père Fétou, supporter de la Ajaccio. Et nous, on se dira à très vite après d'avoir conclu. C'était fini. Joyeux Noël papa. Merci mon fils. Merci. Je suis ici au pied du stade de l'Aube, sur la pelouse, au pied de la pelouse, pour conclure
cette vidéo avec vous. Du coup, je vous avais dit que je vous donnerais les 3 stades que je préfère faire en 2020, que j'aimerais beaucoup faire. Donc pour moi, ça sera en numéro 1 le stade de la Beaujoire que je vais essayer de faire. Ensuite, j'aimerais bien aller à Goodison Park à Everton avant qu'il soit détruit dans les prochaines années. Et après, je vais sûrement refaire le derby à Lyon contre Saint-Etienne pour aller voir le match retour. Donc voilà, c'est ici que je vous quitte avec un grand plaisir, une grande émotion après cette superbe année 2019 qu'on a fait ensemble, qu'on a commencé en avril ensemble. Il y a eu 51 vidéos. Ici, on se retrouve pour le dernier match de la saison au Stade de l'Aube. C'était un vrai plaisir. Abonnez-vous sur Instagram. Là, j'ai pas fini moi mon année 2019. Je vais encore avoir des matchs qui vont arriver. Ça sera en Angleterre pour aller voir 4 matchs. Donc 4 matchs à suivre sur le compte Instagram. Je vous ferai des vidéos, bien évidemment, si je le peux, pour les publier au mois de janvier. Donc je vous attends nombreux pour vous abonner, pour ne pas manquer ça. Moi, je vais vous dire sur ce, à très vite. C'était un vrai plaisir de conclure cette année 2019 avec vous dans ce magnifique stade de l'Aube qui est le stade de mon cœur. Donc moi, je vous dis à la prochaine. Ciao à tous. Voilà, je suis avec Kiki Kouyaté, buteur encore aujourd'hui. Félicitations pour tous ces buts. Merci beaucoup. Et puis joyeux Noël, rentre là. Merci, bonne fête à toi. Merci. Salut, mec. Voilà, on est juste devant le stade de l'Aube pour conclure cet épisode. Je suis avec Loïc Perfetou, supporter de l'AC Ajaccio qui a lui aussi sa chaîne YouTube. C'est vrai. Je veux dire un petit mot après ce match entre nos deux clubs respectifs. C'est toujours un plaisir de venir au stade de l'Aube, malgré la défaite. Ouais, t'as été bien accueilli, j'ai vu. Oui, oui. La place gratuite, la bouffe gratuite, la défaite gratuite. Non, mais après, un 0 pour moi, du coup, sur l'année. J'avoue, mais on se donne rendez-vous au match retour en mai, et ça sera peut-être début. C'est au mois de mai. Au mois de mai, fin mai. C'est pour la montée, pour les deux premières places. Alors, voilà. Les deux premières places. Okay. La CA premier et 3 deuxième. Ça va tant que les deux montent. Ça te va? Allez, on se serre la main. Hop, les. Merci beaucoup pour tout. Merci beaucoup. Et puis bonne fin de saison à l'Estac. À toi aussi. Et tu continues tes vidéos, c'est génial. Merci bien. Rentrez bien, les gars.